Mbote na bino nyonso tu bisika tu bozwami to pesi bino mbote ya yesengo parce que l'actualité qui nous vient de l'est de la République démocratique du Congo les ali actualité ya yesengo parce que une tempête de feu les ali bongo ko s'abattre sur les rebelles du M23 Outa, ça fait maintenant 72 heures. Owapi, Baliko, Betama, Meti Banamike, Lelo, c'est le tour de Vichumbi. Après, il a récupéré Mutanda, Lobi va récupérer Katale, Lelo, c'est Vichumbi qui est sous le feu. Il y a bombardement, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs armes lourdes, il y a IM23 et Zali Bongo détruites. Plusieurs entrepôts, il y a des munitions Pemandouk, il y a des IM23, ils allaient détruites. Le renfort au Rwanda qui a renforcé Bango va tomber dans l'embuscade. L'achat, surtout l'acquisition acquisition Yango, et si est commis peut installer à l'est de la République démocratique du Congo, il y a 6 nouveaux drones CH-4B. Il y a des marques chinoises, 185 blindés, il y a 4 mercenaires, il y a Turc, 2 avions de chasse nouvelle, dernière génération, il y a Sukhoi, il y a Russe, ils allient déjà à l'est de la République démocratique du Congo, Bisika Owapi, le chef d'état-major, et c'est des adjoints, Bazali de Jakuna, pour superviser les opérations en attendant que le commandant suprême en personne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yemoko, Alata Sukutu, Pona Kokita, Navili ya Goma, Goma, Owa Pilelo, Bazaliko enterré, ba victime, ya bombardement, ya site, ya ba déplacé, Oyo, ba Koufaki au nombre de 35. Awana Liko Betanabino Masolo, si y a les vidéos d'illustration, vous allez voir comment les activistes, ya ba Lutia, ba Tuebele, ba Simbi, ba Kwa, pour rendre les derniers hommages na bande konabiso oyo bakufa ki suite ya bombardement ya site ya ba déplacé de guerre. Alors la délégation gouvernementale les amis de Jawana, on a vu le ministre oyo ya droits humains monsieur Fabrice Mpwela, on a vu le porte-parole du gouvernement le ministre de la communication et médias Patrick Muyaya, on a vu le gouverneur militaire monsieur c'est qui encore son nom viendra Bangonyo se bazali ensemble bazali ko accompagner pe ko rendre le dernier hommage na ba toyo ba uta ki kokufa au nombre de 35. Alors pendant que bango bazali ko rendre hommage biso pe toali ko senga na gouvernement na biso pourquoi pa bombarder pe ata ba bombe mi balete na ba localité ya Banyarwanda bango pe bayoka lolenge nini ba congolais bayoka kapé tango bande ko na bango bali kokufa na ba bombardement ya ba Nyarwanda en République démocratique du Congo. Voilà un peu mayena yeli bino lelo na lobi la tempête arrive. La tempête de feu s'abat sur Vichumbi. Lobi ezalaki katale. Oyo ezalaki récupéré. Na minute oyo c'est Vichumbi oyo ezali sous le feu ya forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, armée na biso na minute yo, moutou akoki kote le malisus pour na ou critiquer, moutou akoki kote le malisus pour na ou lobake, armée ezali ko sala moussala azalite. L'armée est en train de faire reculer l'ennemi. Le 100 combats sans victoire, bakomi le 100 combats, 0 victoire. Wilingo Maki a toujours parloté sans combat, sans victoire. Le roi Azali Koyo Kamate. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise est équipée aujourd'hui de tous les équipements. Moussala armée na minute yo, ba bataillon oyo ezali na est ya République démocratique du Congo. Nous avons le bataillon Yaba Ibu. Nous avons le bataillon Yaba Guépard. Nous avons également les bataillons Yaba Léopard. Tous ces bataillons bazali ko sala bango na bango ba relève pour qu'il y ait les opérations non-stop. Et les opérations non-stop, yango nde ezali ko lalisa Banyarwanda na se.
une centaine de corps ezali nansé awa na liko solola na bino na niveau ya vichumi. Mais avant na kota na muzindo na meme na bino ba bilan détail et surtout les 185 blindés oyo ekomi déjà au front, surtout installation ya sidrol ya mbalo to lobi to kopé sa ba numéro té to kopé sa pe ba modèle de fabrication té pour banya Rwanda ba luka koma ko contrecarré ya ngoté parce que les nouveaux drones sont là. L'armée est équipée d'une manière que nous sommes capables d'affronter le Rwanda. Et nous commençons d'abord par la récupération de différentes localités. L'opération Vengeance, Tozali ko se venger contre Banani, Tozali ko se venger contre Bato yo babomi bande konabiso yo bali ko kunda mkolo malelo. Mais avant na kota siko na muzimbo, il y a quelque chose oyo na lingina solola na ba Congolais. J'avais tiré la sonnette d'alarme. Ba Congolais balanda kanga sur DRC News na liko senga na bino bo like vidéo bo partager lien parce que yango nde osunga ba Congolais mususo bazali connecté te bazwa pe actualité ezali ko salima. J'avais ici dénoncé le népotisme au ezali ko salima na niveau ya Assemblée nationale. Je vous avais montré bandoki ya République démocratique du Congo comme étant le membre ya présidium ya Union sacrée. Les députés nationaux m'ont suivi na appel au na salaki. Ba sali déclaration ba lobi bango ba ko voter ba na ya ba toa na te. Ba ko voter ba matangu ya ba toa na te. J'aurais appris ba tu lukwebo a longo ni mwana na ye. Akanisa ki menge tobeta ki mbela. Comment est-ce que yo ozi président cité ozi mwana na ye o pesye place ya bisol. A longo ni mwana na ye. Azongisi mutumoko ya AFDC Eli ya Malembankulu. Mais selon d'autres indiscrétions par information tozu e pas Joël Kadé mutuana oye atie azali likangu na ye. Donc kolongola mwana pona ko remplacer na likangu ezaka kaelo ko moko népotisme o tozali koboya en République démocratique du Congo. Mosso a postulé comme deuxième vice-président. Lorsque vous postulez, vous ne pouvez pas être en même temps juge et aussi en même temps tolo bakaka, en même temps aux arbitres, en même temps aux joueurs, parce que bato ba ko traité ba candidature ya bato ba déposer baza ba membre ya bureau d'âge yo boko président bureau d'âge yo boko lisusu au postulé. Donc il doit d'abord démissionner na bureau d'âge. Là on interpelle encore les députés de la même manière que yebisa ki bino que ba twana ba liko sakana na bino. Ça veut dire que na mboko yo ba famille ba twa maye les atezaka ba famille ba président. De la même manière na IDP to denonce ki ba poste ba comment opesa ba twa famille ba poste comme ba wa comment opesa na ba twa église le lieu comme une union sacrée. Chaque président mututu membre ya président alingia cha batu na ye sauf mutu moko na moni ya che mutu na ye te sa malukoni tolo be to yebisa na vérité même Vital Kamerhe. Kamerhe on peut comprendre la poye moko aza déjà président mais les autres ba che bana na bango e ya ya lolo ni mwana na ye abakisi likangu na ye selon Joël Kadé. Je précise même bien mes mots. Le mot, nous demandons à ce que les députés bandi maté mboso azala lisu sous président ya bureau d'âge parce que yemo ko ko ki kozala arbitre té yemo ko ko ki kozala pe joueur té akopote la nani a oti kanani. C'est ainsi que ba traitement ba candidature wana ekoluka mobulu na mboka mboka eza déjà na mobulu mboka ezo kende na kokufa. Mboka ezali penza na yebite na kokiko kobenga na etali na eta critique. Mboka ezo vivre par oxygène. Mboka depuis ekota na na comment plutôt bino bozo no boza wana moye ya obik sa mboka bino bokomi koyole na ba poste bokomi koluka positionnement kezala na gouvernement mutu na mutu zoluka nga imbe na zo ministère ya finance nga imbe na zo ministère ya économie nga imbe na zo ministère ya plan nga imbe na zo boy e mboka ezo continuer na okufa. Peuple congolais, ne laissez plus le temps à ces voleurs. Ne laissez plus le temps à ces sorciers. Talanan ba age na bango. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en République démocratique du Congo? Oh, ba bande ki kozela na age o bazui le lone ba wosal. Parce qu'ils ont occupé presque tous les postes. Son Zubat, il a été ministre du travail. Qu'est-ce qu'il a laissé dans le ministère du travail? Il a été ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il a laissé dans le ministère de l'économie? Il a été président du Sénat. Qu'est-ce qu'il a innové dans le Sénat? Ozui mosowana.
trois ans comme président de l'Assemblée nationale. Nabila na ye, c'est 21 000 dollars ou appelé ça na ba député. Nabila yamboso yambowan. Mboso était ministre pendant le MPR. Natango ya kabia ya ya Mobutu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Rwanda qui causait la kakatango au koma mobange ndenga zali wana aya ko sala yango. C'est ainsi que la révolte de la classe politique, les jeunes bino ba député ba jeune ba voter kuna. Ne votez pas pour na mutu parce que ba imposer bino et pas union sacrée. Ba toi na bazaba ndokimine ne. Les sorciers de la République sont là, ils sont connus, vous le savez leur nom. Na lobi on azalaki nango na posa oloba parce que l'actualité qui vient de l'Est c'est ça qui toko malgré na lobi na commentaire s'il vous plaît ayons au moins une pensée pieuse na bande ko na biso bazali ko kunda lelo ba victime oyo ba kufaki na bombardement ya site ya ba réfugiés une pensée pieuse pièce plutôt toloba au moins milimo na bango et pe manakimia parce que bande ko na biso ba bomi bango sans que ba sala mabete. Ma bena bango eza po baza ba congolais et que Congo eza na ba richesse ebele. Je vous ai dit mes chers compatriotes, la tempête de feu est en train de s'abattre sur le M23. Le même à niveau ya Vichumbi, on vient de détruire une armée lourde ya ba M23. On vient de piéger convoi mobimba ba M23. L'entrepôt des munitions, l'entrepôt des armes, au Zalaki à niveau de Bwito, dans la chefferie de Bwito, a été ciblé par le bombardement des forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez comment les offensives non-stop, les avancées non-stop, la manière dont l'armée est en train aujourd'hui de mettre à mal la rébellion du M23. Je vous l'avais dit, l'équipement va équiper au Pessi na forces armées de la République, va équiper au Pessi na bande qu'on a biso bazo bunda 10 jours au jour à l'est de la République et zali kotia à mal banya Rwanda le M0 parce que bazali sous ne l'autre côté. On le réduit à 0 parce que tout nombre tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc ba koki ko se multiplier ndenge balingi ils sont égal à 0. Parce que cette détermination donc fait donc faire de ça zali ko lakisa yango ne zali ko talama na miso a monde mobimba ke koboya Tshisekedi oyo aboyi makambo ya Luanda koboya Tshisekedi oyo aboyi makambo ya Nairobi. Donc depuis bombardement bande ko na biso bazali ko kunda lelo na Muguga Tshisekedi a refusé tout à chaque voix ou soit la voie de dialogue, la voie à processus, il y a diplomatie. Il avait envoyé son représentant personnel, Nakombe à Serge Tshibangu. Akerina Lorenzo a yébissié, la RDC se retire du processus de Luanda. Akerina Nairobi pour dire à William Ruto que la RDC se retire dans le processus à Nairobi. Et entre-temps, Fatih avait annulé une visite officielle WAP en Hongrie. Bozongi a Tshisekedi, les gens se posent la question. S'il avait annulé une visite officielle en Hongrie, mais depuis aller à côté ici Conseil national de sécurité, à côté ici Conseil national de la défense, même pas une réunion de crise, à Tikala Kokoti Sayangote. J'avais dit aux Congolais, soyez patients, Tshisekedi bientôt à Goma en tenue militaire, parce qu'il est le commandant suprême. Mais le chef d'état-major séjourne à l'Est. Le monsieur chargé, il y a ma opération, chef d'état-major adjoint en charge des opérations, Falsi Kabwe, il est à Goma. Vous prenez celui qui est chargé de renseignement, Chiko Chitambo, et les autres sont au niveau de Goma. Bientôt, Tshisekedi lui-même, en tenue militaire à Goma, parce que nous attendons jusque-là. Voilà pourquoi on a Bengaki Bango Bandoki, ce sorcier-là qui ensorcelle le pays, bisous aux autres et le gouvernement. Bisot aux autres et la bureau définitif, bango bazo bunda bazo wele la ba poste, bazo sa la népotisme, bazo bimisabana na bango. Or que Tshisekedi n'attend que bureau eza la wana, parce que les ennemis nationaux bango ne bazana autorisation, y bazali na pouvoir, y a co-autorisé une déclaration de guerre, or Tshisekedi azali na katia co-formalisé contre le Rwanda. Mais regardez les sorciers, même les députés qui viennent de l'Est, les Bati, les Kameri, bazo utana Est kuna, bande kona bango ne bazali kokouf, mais bango bazali, pona bango c'est le poste, c'est le partage des postes.
qui les intéresse. Alors, na minute yo, l'armée vient d'acquérir 6 nouveaux drones, il y a type CH4B. On le routine en Chine. Deuxième lot à bas drone et routine Kokoma. 185 blindés 4 Marcel. On le yaba Turc et routine Kokoma. Deux avions de chasse. On le yaba Russe et routine Kokoma. Yangonde Zaliko bombardé toutes les positions. Yaba Nyawanda. Yaba Oyo Tozaliko Benga. Ba M0. Et maintenant, nani akokime la wapi? Même la combiné la wapi parce que le terrain est quadrillé. Vitune binamilité les alliés. Bango bazoa qui yango pote baz meka un peu co-isoler la ville de Goma. Na minute qu'est-ce qui se passe? Phare de CAIE a encerclé Vitune. M23, moi, basticalika kana possibilité moko. Ces alliés a co-isoler ma canot sur les lacs. Bakeyi bakoti Uganda. Parce que na kwa nezali ko separe biso na Uganda. La seule manière ya bukokima na bango, eza ya kokati sa kokende Uganda. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même les canaux, et bon, ils copient là parce qu'ils ont peur des bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Une arme lourde qui a été installée à niveau de la Vichumbi a été détruite par les opérations conjointe Wazalendo, forces armées de la République démocratique du Congo. Le pilonnement, il y a ma position. Le pilonnement, il y a ma entrepôt. Le pilonnement, il y a arsenal militaire rwandais. Oh, les Alaki na Vichumbi, il y a Ngombe et Pessi Banyarwanda panique. Et la panique est le vent du fait. Le vent qui arrive. Oh, les Alaki, il y a ma bombardement ciblé. Il y a ma position, il y a Banyarwanda. Il y a Ngombe, mes chers compatriotes. Vous pouvez vous rendre compte que le Rwanda cherche à ce que nous puissions stopper les avancées afin que Bango va se retirer sur le sol congolais. Or, tant que vous êtes sur le sol congolais, vous avez une autorisation à Moutouté. Vous avez Moutouté. Mais de la même manière, vous avez sur le sol congolais, c'est de la même manière que vous sur le sol congolais. Parce que nous sommes déterminés à défendre chaque centimètre carré Yambo Cannabis, République démocratique du Congo. Le lot, nous sommes en train de parler de choses où les alliés commettre à mal l'ennemi, de choses où le traître, pourquoi? Parce que la RDC est en train de se défendre. La RDC est en train aujourd'hui de tirer sur les rebelles. L'autre journée, Zalaki, tellement agité, dans le niveau de Katane. Katane est quoi là qui n'a pas beaucoup à Bayam 23, pour 24 heures, il y a Pamba. L'autre m'a pourchassé dans le Pamba Wazalem. Le rebelle d'Yam 23, soutenu par l'armée rwandaise, ont été chassés de cette zone de Katane mardi 14 mai 2024, après des combats. Dans leur fuite, nos sources affirment que les M23 ont tué 8 personnes. Na koki manabango parce que bazala ki na yelo comme si chaosa la te. Mututu ba wande ki kokota na yena nzela koma ki suspect. Ba beti ba twana 8 ba kufi et sont morts na centaine, na boy na lobi dizaine te. Mais une centaine de corps ezali par terre. Ba e ba biki na koki manabango nde ba boni 8 civils. Na niveau ya Katane. Le matin d'aujourd'hui, ba wazalendo bazali ko poursuivre bango lisus. Les affrontements se déroulent vers Chakingi, dans le secteur d'assaut Banyungu. Mes chers compatriotes, donc, toutes ces localités, au chefferie à Bwito, au bisonde ba kolo Bwito, au bisonde ba ancêtre na biso bazalaki na Bwito, yambale otolobie, cette guerre, même nos ancêtres basi ba koti yango. Même les abeilles ya bokoko na biso basi ba koti yango. Faire des saisons pilonner les positions. Azali ko détruire. Ba arme lourde. Ba entrepôt ba munitions. Ba wazale no ba koti sikolo. Na opération to zali ko benga ratissage. Pe ba zali ko tendre ba nyawanda ba piège. Oye ba zali ko kweya na katiwana. Na bango. Na mituka na bango. Ba bombarde yango. Ba décimer yango. Mwaye ya ko différencier sikolo. Poutoumou ya moutou. Na poutoumou ya moutou ka ezalite. Tous décimés.
Et maintenant, aucun opposant n'en parle pour dire au moins félicitations dans ma opération phare de Sias Ali Kosal. Aucun opposant n'en parle. Mais dans l'opposant, il y a caca. Tant que tu sais que dialogue, qu'il faut mettre une commission pour changer la constitution. On a opposé à Babine. Mais maintenant, l'opération phare de Sias, ils allaient comporter ma fruit. Ils allaient se sacrifier. D'ailleurs, j'avais oublié. On a dit que le bateau va commencer à financer Sikoyo. Va commencer à payer sa mandou qui n'a pas été en 2023. Les financeurs, il y a pas été en 2023. Parce que les gens qui font des choses bombardées, ils vont pas qu'à Timbam. Ils vont pas qu'à Mandou, ils vont pas qu'à Bombe, ils vont pas qu'à tout. Ils vont aller de temps, ils vont aller dans le système, il y a opération ratissage. Ils vont aller dans le côté, ils vont aller dans le côté, ils vont aller. Donc, même Zéla, cette guerre sera longue et populaire. La détermination du président de la République. Il y a aussi sa guerre, il y a Est. Lui-même avait dit, même s'il faut donner ma vie. Pour le moment, nous avons Kazali président de la République. Et Sengeli guerre, on a ici là. C'est non malobanaye. Et la détermination, c'est que 500 millions baouti ko décaissé en bolissus par le gouvernement. Alors, on a dit que selon l'anabino, le VPM de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a zali pongoko, silissa, acquisition, il y a autre zali ko benga les 6 avions de chasse. Mi balè déjà na, ndenge ya partenariat na ba russe, et y a qui déjà. Si ko, on a zali, on a Congo a ali ko somba. Il est en train de finaliser l'acquisition des 6 avions de chasse. À part la finalisation des 6 avions de chasse, on les a destinés spécialement pour les opérations qui sont à l'est, dont le 3 bataillons. On y a un hibou, on y a un guépard, on y a un léopard, ils ont infligé une défaite aussi sanglante aux rebelles du M23. Il y a les 6 avions qui arrivent. À part les 6 avions, il y a aussi l'acquisition. Il y a pas blindé à 185. Oye si komi à Liboso. Et tikali 185 moussousou. Oye zali nanzela. Ce sont des blindés de marque turque. Il y a mbaloto keika na ba chinois. Nous avons le drone. Il y a ba chinois. 3 à Liboso. Na 6 oye outi kokoma. Et komi 9. Nous avons 185 blindés. Oye outi kokoma. Il y aura encore un autre lot de 185. Oye zali nanzela. On a 2 avions de chasse. Il y a ba russe. On est en train d'acquérir 6 autres avions de chasse. Oyo et Kozalaka Kayabaris pour que lorsqu'il y aura l'installation d'une base militaire russo-congolaise dans le territoire de Outourou et surtout dans la cité de Sake, à ce moment-là, le russe eux-mêmes prendront le contrôle des avions de chasse. À ce moment-là, on peut dire bye-bye au Rwanda parce que la sécurisation des frontières de la République démocratique du Congo ont été déjà prises en charge par la technologie militaire russe. Les 2,345 km² de la République démocratique du Congo sont sous la gestion géolocalisation et la technologie et la militaire russe. Il nous reste que quelques détails à régler avant que les envoyés spéciaux à Vladimir Poutine puisse piétiner le sol congolais. Les gens ont dit, Tshisekedi, Dengazali wana, ayali kosa le lo kote, tile lo, pourquoi Conseil national de la défense ayali kokotate? Il ne peut pas faire entrer le Conseil national de la défense, il ne peut pas convoquer le Conseil national de sécurité, parce que même si a convoqué Yango, avant de déclarer la guerre, il faut gouvernement ya sikaye zalawana. Il faut assemblée nationale zalawana. Mais en attendant que Kendekuna, Tshisekedi arme les forces armées de la République démocratique du Congo. Les gens ont dit que les armées sont en Mandoukité. Les armées sont en Mandoukité. Les armées sont en munitions. Les armées sont en Malikola Lanzala. Ils nous sont bien restaurés. Bali Koya, Bazali Kolia plutôt, Natongo, Bali Kolia na Mibi, Bali Kolia na Pokwa. L'armée, nous avons les informations qui nous viennent de là. Tous ces militaires qui sont déployés, Bazali bien équipés, Bazali paix. Bien alimenté. Donc, nous pas que les Nanzala Kuna Azalite. Et tout ça, grâce à la détermination du président de la République de mettre fin à cette situation de la guerre. Même si à Kinshasa, la coalition au pouvoir, dans le Bazali Kouloukane va se partager
ba gâteau na bango bango bazali na posa ba se partager ba bien na bango. Les Congolais doivent soutenir le commandant suprême. Les Congolais doivent soutenir les opérations conjointes Wazalendo, forces armées de la République. Et ce qui est encore grave, les amis, la mission de la SADC vient de le dire officiellement que Bango Bazana mandat offensif, bientôt la mutualisation des stratégies, la mutualisation. Il y a technologie aussi, ici, Bango Bazali Kokota n'a pas attaqué ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Bientôt là, à l'allure où vont les choses, peut-être avant un mois, Tokozala déjà na Bounagana. Et lorsque nous allons récupérer Bounagana, la seule demande des Congolais, tu sais que bien que le bisou a trois bombes na Banya Rwanda. Bango pe ba koufa, bana na bango ba koufa, basi na bango ba koufa, bango pe ba yoka. Comment est-ce que ba Congolais ba yoka ka, tant bana na bango ba koufa? Il n'y a que de bonnes nouvelles qui nous parlent, qui nous viennent de l'Est. Bah, nouvelles, yo, ceux qui ont yoki. Bah, Nyarwanda va koufi. Bah, Nyarwanda va bombarder bango. Bah, Nyarwanda va saliboui. Te récupérer localité boui. Te récupérer chefferie boui. Le lot même na bouito. Ou yébi bouito wana pona bato, babanda ki kolanda. Lorsque kunda batoare, a kotaki, na SNDP, eza bisiko yo kunda batoare, babanda ki o mena makila ba Kongole. So ki a bomi moutou, a tche makila na ver a meli. C'était dans le bouito. Na bouito wana nde moto, pelaki moukolo ya lobi, dans la chefferie de bouito, katale yo yo zala ki okipe par le M23, récupérer le lot ver chakingi, nde bitumba ezali na tongo ya lelo. Donc, on est en train d'artificier l'ennemi. Et l'ennemi pense aujourd'hui qu'on devait détourner l'attention de l'armée vers le massif 600 parce que Bazali qui a attaqué côté la massif 600. L'un des officiers contacté par nos sources a lobby Bakozala jamais détourné l'attention à Bango. Bango va se foncer sur le base Yabayi M23 pour le détruire parce que Zali ba base, ba munitions, ba arme ou Bazali Nango, mais Zali ko sa la force na Bango. Ceux qui te détruire ba arme wana, M23 dans la sous ma cacité, nous serons prêts Yako lande la Bango jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà un peu en gros la situation qui prévaut depuis hier, aujourd'hui ce matin et pendant toute la journée d'aujourd'hui parce que Vichumbi